Bonjour chers amis. Voilà, alors on est de retour, hein. On est au mois de septembre, on a passé, j'espère pour tous, vous avez passé de bonnes vacances. Donc on va reprendre nos vidéos, je vais vous expliquer eh bien les nouveautés après eh bien la vidéo d'introduction. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire, ce que je vais faire, ce que l'on va faire également. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer juste après l'intro. Je vous rejoins dans quelques minutes et je vous explique tout ça. À tout de suite, messieurs. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver pendant toutes ces semaines qui vont venir jusqu'en 2024? Ou en 2024, début 2024, voilà, ben, je vais vous expliquer parce qu'il y aura quand même un gros sujet début 2024. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Alors, on va commencer déjà eh bien, par le fait que je vais faire une vidéo sur ce qui se passe aujourd'hui en France avec les femmes ukrainiennes. Oui, on voit des vidéos qui apparaissent aujourd'hui sur YouTube qui vous disent que bien certaines femmes ont rencontré leur amour dès la première rencontre. Oui, en connaissant la mentalité des femmes ukrainiennes, ça peut faire sourire, même beaucoup rire ou même pleurer à la limite, parce qu'on se rend compte que ces gens, ces personnes qui vous mettent ces vidéos sur YouTube, eh bien, utilise cette pauvreté, utilise cette situation catastrophique qui est l'Ukraine pour s'enrichir sur le dos des Ukrainiennes. Puis malheureusement, certaines Ukrainiennes également sont malhonnêtes et exploitent eh bien, ces pauvres hommes qui ont des QI d'huîtres et qui pensent que, étant donné qu'ils ne connaissent pas du tout la mentalité ukrainienne, ils pensent qu'avec leur charme, eh bien, dès la première rencontre, c'est possible d'avoir une femme qui va venir vivre chez eux dès la première rencontre. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une vidéo avec une psychologue qui est aujourd'hui en contact avec de nombreux Ukrainiens, ukrainiennes du moins, et avec qui elle discute parce qu'elle leur apporte une aide psychologique du fait de la guerre. Et je vais vous expliquer, elle va également vous expliquer ce qui se passe dans la tête aujourd'hui d'une femme ukrainienne. Est-ce qu'elles recherchent, quand elles sont honnêtes, la priorité quand elles arrivent sur le territoire français? Et c'est certainement pas un époux ni un pauvre pigeon qui pense être le plus beau de tous parce qu'il a pu avoir une femme dès le premier rendez-vous. Donc ça sera l'une des vidéos qui va paraître eh bien, dans les semaines à venir par rapport justement à ces femmes ces sites de rencontres vous mettent en avant parce qu'elles ont rencontré leur amour dès le premier regard. Ce qui est impossible avec une femme ukrainienne si elle serait dans une situation normale. Alors également, eh bien, peut-être un voyage de groupe en début 2024. Irina souhaite essayer de vous emmener eh bien, dans un pays pour rencontrer des femmes biélorusses. Mais ça, on y reviendra si c'est possible. J'y reviendrai dans une vidéo. Également, eh bien, mes vidéos. Voilà, vous savez, je vous aide chaque semaine avec mes vidéos pour vous apporter certaines informations, des éléments pour réussir vos rencontres, pour réussir votre vie avec une femme de l'Est. Alors certainement pas sur la rencontre sur... non, ça c'est impossible. C'est impossible avec une femme ukrainienne, du moins une femme honnête, hein, qui n'est pas poussée par ces sites de traite des blanches. Donc c'est impossible sur la première rencontre que vous allez vous mettre en couple. Ça c'est impossible avec une vraie femme ukrainienne. Mais je vais vous en parler eh bien, durant toutes ces vidéos que je vais encore poster. Mais ça sera seulement le vendredi. Le jeudi, je n'aurai plus le temps de faire ces vidéos et je les posterai seulement le vendredi. Ça sera également la grande différence à partir du mois de septembre, parce que je n'aurai plus le temps de faire ces vidéos
le jeudi. Donc elles seront postées le vendredi. Vous aurez une vidéo tous les vendredis. Et puis bien sûr, vous aurez toujours, et bien sur le site de mon épouse, le blog, ce qui vous aide également pour vos rencontres chaque week-end, et également ses vidéos sur sa chaîne YouTube, également du tunnel de l'amour, et bien qui vous aide, du moins elle vous aide à mieux vous concentrer sur les nouveaux profils des dames biélorusses chaque semaine, ces nouveaux profils qui arrivent sur l'agence d'Irina et que vous pourrez rencontrer dans son agence. Voilà, ces nouveaux profils chaque semaine. Voilà messieurs, alors ce que je vous disais justement en début de cette vidéo, eh bien la grosse surprise, ça sera, je pense, en février, un départ pour Kiev. Oui, pour Kiev, je partirai à Kiev pour rencontrer, j'espère, quelques dames qui souhaiteront s'exprimer en vidéo. Je vous ferai un reportage également sur tout le voyage et également durant mon séjour à Kiev. Voilà, ça sera la grosse nouveauté 2024, parce que je pense et j'espère pouvoir partir pendant une semaine ou deux sur Kiev pour vous faire partager un peu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, parce que beaucoup de sites exploitent cette pauvreté, exploitent ces femmes, mais peu, voire aucun, ne sont partis là-bas pour les interviewer sur le sol ukrainien. Ce que je vais faire, ce que j'espère faire en février. Voilà, messieurs, les grosses nouveautés. Eh bien, à partir de ce mois-ci, jusqu'à l'année prochaine. Je vous souhaite, eh bien, messieurs, un bon week-end et je vous dis à très vite. Allez, ciao!